vois, je sens une atmosphère de miracle. Miracle, papa. Pendant que je voulais prophétiser, parler, je suis en train de voir des noms et des prénoms dans mon esprit. Ils sont là pendant que je parle. Vérité. Est-ce que ce soir on va terminer? On terminera, papa. Je sens beaucoup de choses qui vont se manifester. J'entends déjà quelqu'un qui est ici, qui s'appelle Pamela. Pamela. Viens rapidement, je veux prier pour toi. Oh yes. Ton prénom c'est Pamela. Tout vite. Vite. J'ai pas le temps ce soir. Oh yes. Je pensais qu'ils allaient acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Prophète. Faites deux pas en arrière. Une, deux. Devant la foi. La foi. Produit le miracle. Produit le miracle. Je ne sais pas quel est le désir de ton cœur lorsque tu venais à cette veillée. Mais tu repartiras avec la solution au nom de Jésus-Christ. Oh oh, j'ai dit tu es venu sûrement à cette veillée avec un problème. Vérité. Tu es venu avec un sujet de prière. Vérité. Je ne parle pas de moi. Moi je ne peux rien faire. Je suis qu'un canal. Yes. Mais le Dieu qui m'a envoyé ici, vérité, il va apporter un miracle dans tous les domaines de ta destinée. Amen. La qualité de ton amen va précipiter. Amen. Ma fille, je te regarde dans le monde spirituel. Je voudrais prier pour toi. Oh, yes. Je te vois ici, mais je te vois aussi en Centrafrique. Professeur, tu es centrafricaine. Oui, je suis centrafricaine. Je suis en Masubrakariba Koterata Braidaha. Professeur, je suis en Centrafrique, en même temps ici à Montpellier. Vérité. Je suis en train de prier comme ça dans le monde spirituel en Centrafrique et à Montpellier. Tu habites à Montpellier ou tu es où ça? Oui, j'habite à Montpellier. Professeur, la qualité de ton amen ne me donne pas envie de prophétiser. Amen. J'ai envie de prophétiser, mais ta manière de faire ça. Amen. Ta manière de faire ne me plaît pas. Bon. Ma fille, pourquoi Dieu te parle par ton nom et par ton prénom? Je suis en train de voir dans ta vie que depuis un certain temps, il y a un esprit qui est en train de te fatiguer. C'est comme un esprit des eaux. Mais il ne te fatigue pas toi seulement, il est en train de fatiguer également ton époux. Il veut créer la séparation entre toi et puis ton époux. L'esprit de Dieu me dit de pouvoir prier pour toi et de prier pour ton nom, mais de prier aussi pour quelqu'un. Professeur, je suis ma sopra kante baru baso de bras. Professeur, je suis en train de prier avec toi comme ça dans le monde spirituel, dans la hauteur de l'esprit. Et je suis en train de voir une fille qui est au bord de toi, c'est comme ta première fille. Hein? Oui, elle est là. Ta première fille. Oui. Mais elle est ici. Oui, elle est là. Ma sopra kante baru. Professeur, j'essaie de prier avec toi comme ça dans le monde spirituel. J'entends quelqu'un qu'on appelle Gel, Gal, G-A. C'est qui? C'est le nom de mon mari. Professeur. C'est la famille. C'est le nom de famille de ton mari. Oui. C'est quoi? Oui. C'est quoi le nom? Gal. Je prophétise ce soir. Toi qui m'entends et qui me suis, tout ce qui était bloqué dans ta vie, vérité, à cause de l'onction prophétique que je porte, que cela soit débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. La dimension de ton amen doit précipiter ce miracle. Je pensais que tu allais te tenir debout, me dire amen plus fort. Amen. Oh yes. Oh. Ta fille elle est ici? Oui. Ta première fille dont je parle? Viens rapidement, ma fille. Acclame le Seigneur pendant qu'elle va aller. Acclame le Seigneur. Ce soir, je sens une onction de miracle. Hey! Il y a une paix. Est-ce qu'il pourrait terminer mon message? Termine, papa. La divinité reconnaît. Alors, nous étions en train de parler de la foi. Et je suis en train de te dire que ce soir, si ta foi monte, quelque chose va commencer à te localiser. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont là ce soir. Ah, j'ai vu le prophète sur les réseaux sociaux. Yes. Et je vais venir voir, mais c'est qui même? Vérité. Comme il a beaucoup de cheveux là, peut-être qu'il prend ses cheveux aussi pour coller ici pour moi. Oh yes. Pour voir ce que ça donne. Ce soir, ce n'est pas une affaire de ça. Vérité. Faut venir avec un cœur puis parce que ce qui va te localiser est extraordinaire. Extraordinaire. Si jamais tu es venu comme un touriste, tu vas repartir comme un pirate. Vérité. Mais si tu es venu avec la foi, le Dieu que je sers, alléluia, va commencer à localiser tous les domaines de ta destinée. Amen. Alors, je parlais de Pamela, je disais comme quoi il y avait des problèmes que le diable était en train de créer au niveau de toi et ton époux.
Et c'est comme un esprit des eaux qui est à la base. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de pouvoir prier pour toi. Mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prier aussi pour ta fille. Parce que c'est comme si depuis un certain temps, elle était de fil à retordre. Elle a créé des problèmes. C'est comme si elle a voix. Hey, Jesus. Ma fille, regarde-moi. Tu es petite, hein? Mais je suis en train de regarder comme ça dans le monde spirituel. Et je suis en train de voir comme si il y a un esprit qui veut te pousser à beaucoup bouger. Vérité. C'est comme t'es pavané. Ma fille, est-ce que tu as commencé à sentir ça en elle? Comme un esprit de rébellion. Dis-moi la vérité, simplement. N'aie pas peur. Oui, c'est ça. T'es sûr? Comme un esprit qui la pousse à pouvoir se pavaner, aller à gauche et à droite. Oui. Ma fille, Dieu veut t'envoyer très loin. Il y a une grande destinée sur ta vie. Et je vois ta destinée dans un domaine bien précis. Laquelle, papa? Peut-être ça t'est choqué. Mais tu vois comme dans le mannequinat, comme ça. Oh yes, acclamons le Seigneur. Et tu vois dans quelque chose comme ça. Tout ce qui est mannequinat. Dieu change ta vie. Oh, yes. Et Dieu change la vie de ta fille au nom de Jésus-Christ. Dieu apporte vers vous. Alléluia. Et la grâce. Amen. Au nom puissant et au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Venez vers là. Lève les deux mains. Faites deux pas en arrière. Prophétie, la tomatologie.
Dis ce soir, c'est prophétie plus accomplissement. Prophétie plus accomplissement, papa. Parce qu'il y a une dimension du prophétisme. Et tout le monde peut prophétiser. Vérité. C'est pas extraordinaire de prophétiser. Non. Ce qui est extraordinaire, c'est l'accomplissement. L'accomplissement. Et le prophète que je suis, vous savez que ce que j'ai dit ne manque point d'arriver. Ne manque point d'arriver. Parce que papa, tu n'es pas pasteur, tu es prophète.